Et salut à tous et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce pilote RP incroyable. Donc nous sommes en Belgique, à Spa-Francorchamps, et c'est Clément Breuer qui mène le championnat avec 157 points, 31 points devant son coéquipier Edovaki, égalité avec 126 points. Donc Clément Breuer a plus d'une victoire d'avance au championnat. Suivant ensuite Antoine Roman, joyeusement égalité avec 117 points, Raph Etel avec 115, Nox 111, Jeannot 107, Mysterion 106, Alex Leb 103, Benoît 97, Phoenix 93, Cyril 71, Mediramo 68, Senzone 57, Régor 56, Fox 52, Jambon 51, Darkness 47 et Banane dernier du classement avec 41 points. Eh bien, c'est Lucas Simu qui partira à la pole position ici en Belgique devant Colin Mystery, Aurélien Fox, Phoenix Renaissance, Rubens, Moreau, Raph Vettel, Jeannot Couté, Alexandre Lebrun, Benjamin Knox, Benoît Hurelin, Clément Breuer, lui dans le championnat par titre à P11 devant Mehdi Ramoth, Lucas Enzo, Cyril Debelge, Antoine Roman, Darkness Tiger, Aurélien Joyeusemort, Jean-Baptiste Banane, Grégory Rigor et Antoine Dovakin qui complétera la grille. Eh bien, c'est parti. Allô. Ok, donc exit de monitor. Lights out, head of the drivers. Et c'est parti ici en Belgique. C'est un mauvais départ de Lucas Simu qui se fait directement dépasser par Colin Mysterion qui prend directement le lead. Et Lucas Simu qui descend carrément la P4 et qui sort très très large. Bon là, il s'aspine derrière déjà avec une Red Bull vaillante. Oh là, ça passe tellement près du mur. Alors qu'on va remettre directement le temps. Et c'est Raph Vettel. Où est passé Colin Mysterion? What? Ouh, il est passé P1, P dernier quasiment. Fox et Alex. Oh, Cyril Lebelge is out à domicile avec Alexandre Lebrun. Donc les deux McLaren et les deux As qui sont mal, puisque t'as une McLaren et une As qui sont sans erreur avant, et puis t'as une McLaren et une As qui ont abandonné. Vraiment des grands démoments. Alors que Raph Vettel mène ce Grand Prix devant Lucas Simu et Benoît Hurelin. Rubens Moreau, 4e, devant Benjamin Knox. Phoenix Renaissance et Clément Breuer, le leader du championnat, déjà en vue du 7e. Et c'est tout pour un deuxième titre de champion du monde. Attention, ça glisse. Oh, Inost, il a pété son aile droit avant à cause de Phoenix Isel. Raté, et Clem ne rentre pas au stand. Mais il fallait rentrer là. C'était le moment idéal. Il aurait presque perdu quasiment pas de temps. Là, il va se retrouver sans aile droit avant en PLS. À cause de Phoenix, il s'est foiré. D'ailleurs, Phoenix qui n'a plus d'aile droit avant aussi, je crois. Ouais, il n'a plus d'aileron avant. Oh là, le résilient sans aileron avant, mon gars. On souffre quand les mecs. Hein. Ah ouais. Oh là. Oh, Benoît Hurelin. Oh, les deux Sauber se sont mis out. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir la caméra embarquée de Benoît Hurelin. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Sauber? Et Raph Vettel s'est loupé. Benoît, qui a tapé son coéquipier. Mais nul! Oh là là, BMW Sauber qui avait une chance de marquer de gros points. Là-bas, ils sont foirés. Du coup, c'est Rubens Moreau qui mène le Grand Prix, puisque Lucas Simu s'est loupé. Alors que BMW Sauber pouvait marquer un doublé. Eh bah non. Non, non, ils ont décidé de se foirer. Ah bah bravo. Oh, Jeannot qui s'est complètement loupé. Jeannot qui a glissé et qui allait dans le gravier. Qui repart à la 12e place. Lucas Simu, Rubens Moreau qui a mis un écart incroyable en tête. Hein. 7 secondes 7 d'avance sur Lucas Simu, mais c'est pas fini. Ce n'est que le. On va commencer le 3e tour seulement. Donc... C'est pas fini, c'est loin d'être fini même. Et quoi, la Mysterion, tous ceux qui sont rentrés au stand, ils sont super loin derrière, tu m'étonnes. Comme un broyard qui est toujours.
toujours pas rentré dans les pit lane. Allez, essaye, il rentre au stand. Le leader du championnat est dans les pits. Benjamin Knox qui est derrière Cassini pour la P3. Bon, la P2, pardon, la P2, oui, la P2, c'est ça. Oh, il y a... Ouais. Et Lucas Sibu qui s'est complètement loupé. Et Benjamin Knox qui prend la P2. Cassini qui lui aura fait le travail. Rubens Moreau s'est loupé également, hein, puisqu'on voit la Renault juste devant. Oh, Enox est complètement loupé à Bruxelles. Je crois que c'est le virage de Bruxelles. Je sais pas. Bêtise, Joyeuse Mort, attention, side by side avec Senzo, mais ça passe. Non, Senzo qui repasse. What a move. Ah, c'était brillant là, la bataille. Bon, on va regarder ça en direct. Bon, il y a ta Darkness et compagnie qui se loupent là. Oh, et Senzo s'est loupé en fait. Et Joyeuse Mort, je crois. Et Joyeuse Mort qui fait side by side. De passer à l'intérieur, mais c'est donc qui l'enroule l'extérieur, qui le tasse même un peu sur le bord, mais ça reste raisonnable. Belle bataille ici. Oh, alors que les deux vaillantes sont out. Eh, mais c'est pas possible. Entre les deux Red Bull et Sauber, maintenant c'est les deux Red Bull vaillantes qui se crachent entre elles. Mais les gars, mais c'est un scandale. Ah ouais, en fait, il a fait la même que Benoît, hein. D'accord, oui, il a fait la même que Benoît, là. Oh, Rubens Moreau et Benjamin Knox, ils dérapent pour se battre entre eux. Et Rubens Moreau qui s'en large. Rubens Moreau qui s'en large, et du coup, Benjamin Knox qui prend le lead face à Rubens Moreau. Alors qu'on attaque le 4 tour, Rubens Moreau à l'aspiration. Le DRS, l'aspiration, le Super Menace Fat Power. Alors que derrière ça se bat avec les deux forces India, Joyeuse Mort également, il y a une roue, Benjamin Knox qui ne se loupe pas, si que Rubens Moreau, attention, oh Rubens. Alors qu'on a une as dans le mur, c'est Colin Mysterion, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah il était de... Oh, alors qu'on a vu... Oh là là, l'accident. Alors qu'on a Régor et... Oh là là... Ça tourne au désastre ce Grand Prix là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec... Oula, déjà, t'as... Joyeuse Mort qui s'est loupé, après, paf. Ouh, d'accord, il a tapé la Force India de cassette. Et les deux Force India ont été out avec... à cause de Récord. Il saoule. Et du coup, Rubens Moreau, qui toujours derrière Benjamin Knox. Rubens Moreau qui s'est bien loupé, d'ailleurs. Ah là 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 là. Et Rubens Moreau. Alors qu'on voit Benjamin Knox, hein, qui est pas très loin, la victoire est loin d'être jouée. Lucas Sibu qui est troisième, attention ça glisse. Ça glisse pour Lucas Sibu. Antoine Dovakin, ça glisse également. Le Joyeuse Mort qui se loupe aussi. Mais il se loupe à tous à la chicane du stop. C'est quand même assez incroyable. Ouais, et tous ceux qui sont rentrés au stand, genre Antoine Roman, Clément Broyard et tout, bah c'est derrière en fait. Hein. Oh, 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 qu'est-ce qui s'est passé, Benjamin Knox. On va se mettre en caméra embarquée de Rubens Moreau. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez. Rubens Moreau s'est loupé et Benjamin Knox lui s'est pris le mur. En fait, c'est pas Rubens Moreau qui a fait quelque chose, c'est Benjamin Knox qui s'est pris le mur. Non, Rubens! Et Rubens Moreau qui s'est loupé, qui a fait la même. Rubens Moreau s'est loupé, s'est pris le mur comme un con. Oh! Oh mon dieu, Lucas Sibu, comment il est arrivé qu'on a pas le poche de Dovakin? Ah ouais, putain! Ah ouais, c'est violent! Oh, bah là c'était bien violent ce que nous a fait Lucas Sibu, hein. Oh. Ah ouais. Donc, du coup il reste plus que 5 voitures en piste alors qu'on a même pas entamé la mi-course. Ah ouais. Ah ouais, ils sont chauds aux patates. Putain. Bah, du coup c'est Senzon qui met le Grand Prix.
devoir jouer. Cette zone qui n'a plus d'aileron avant. Ouais, cette zone n'a plus d'aileron avant. Il y arrive à mener Grand Prix. Et Joyeuse Mort qui arrive comme une balle, hein, puisque forcément, sans aileron avant, Aspa, c'est compliqué. Puisqu'on n'a pas la force d'appui qu'il faut. Et Joyeuse Mort. Et c'est une zone qui ne pose même pas de résistance. Et qui laisse passer Joyeuse Mort à Blanchimon. Il sait très bien qu'il n'a pas le rythme. Joyeuse Mort qui se loupe, attention. Et Joyeuse Mort et Zenzone qui passe avant de rentrer au stand. C'est pas vraiment d'incidence. Antoine Roman qui est actuellement P3. Enfin, qui, oui, P3, mais il est assez loin derrière, donc il va être P3. Mais il va rester P3, Zenzone va ressortir P2, je pense. On va voir, hein. Zenzone dans les pits. On va voir un arrêt au stand. Voilà, Zenzone, où est-ce qu'il va ressortir? Près du mur, et cette zone va ressortir tranquillement à la P2. Et il reste plus que 5 monoplaces en... Oh non, 4, puisque Joyeuse Mort s'est loupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû faire une bâche à Manox. Ah bah oui, il a fait une bâche à Manox. Et ça fait deux fois cette saison qu'une erreur bête coûte la victoire à Joyeuse Mort. Hein. C'est quand même assez violent, ça. Ah oui, il s'est pris mort bêtement, du coup, ils sont plus que... Bah oui, du coup, ils sont plus que 4. Voilà, les deux Williams qui sont encore en vie, hein, on note pas. Antoine Roman et Clément Broyard à la lutte pour la P2. Clément Broyard, là, qui va faire qu'accentuer son avance. Finalement, c'était mal parti pour Clément Broyard, mais avec tout ce qui se passe, il va juste accentuer son avance au championnat. Peut-être prendre la deuxième place à l'aspiration. Ça peut-être tenter la chicane, oui, side by side. Oh, avec mon Broyard qui s'est loupé. Ouais, il passera pas, il restera derrière à la troisième place. Zenzone qui mène le Grand Prix avec 10 secondes d'avance sur le reste, et Félix est tout seul. Antoine Roman s'est loupé, Clément Broyard qui se loupe aussi, et qui touche le mur et du coup perd ses deux roues. Et c'est l'abandon pour Clément Broyard. Et Antoine Roman qui a glissé et qui repartira à la P2. Phoenix du coup va s'emparer de la P3. Zenzone qui vient de rentrer. Oh, ça glisse! Ça part dans le gravier, attention à pas faire trop ce genre d'erreur, ça pourrait coûter cher. Oui, Antoine Roman, lui, qui a réussi à maîtriser sa voiture. Phoenix Renaissance, troisième et dernier survivant. Donc je pense que là, le Grand Prix de Spa la saison prochaine, vous pouvez l'oublier parce que là, c'est vraiment. Il y a vraiment trop d'abandon, je crois. Ouais. Zenzone mène tranquillement ce Grand Prix pour le moment. Le pilote de force Chevrolet devant Williams, attention. Non, ce n'est qu'un dérapage, il reprend sa voiture. Oh, oh. Non, il reglisse. Oh, il a tapé sa roue. Zenzone is out of the race. Ouais, Zenzone est out, et du coup, ce qu'il fait.
fait qu'il n'y a plus que les deux Williams en piste. Incroyable. Et oui, c'est dans le mur, et c'est dans le mur, et du coup, c'est les deux Williams qui mènent le Grand Prix. Incroyable retournement de situation. Oh, attention, Phoenix. Ouais, et les deux Williams, du coup, qui sont les deux seuls en piste. Là, ça va être un double Williams, quoi qu'il arrive. Oh, ça glisse, attention. Pas trop monter sur le livreur en accélérant. Très mauvaise idée. Alors, en blanchiment 440 km/h, pleine balle. Et attention. Ils arrivent pas à prendre la source correctement, ils sont obligés de déraper à chaque fois. Alors qu'on est dans l'avant-dernier tour déjà. Ici à Spa-Francorchamps. Attention. La slap qui met la slap. Williams qui vont s'apprêter à s'apposer. Et oui, la dernière chicane. Ça va s'imposer pour Antoine Roman. Victoire d'Antoine Roman ici. Ah, c'est pas Spa-Francorchamps. Phoenix Renaissance va terminer second ce Grand Prix. Et voilà. Donc doublé Williams ici à Spa pour un Grand Prix. Catastrophique là, vraiment. C'est assez incroyable. Les abandons sont avec cette incroyable liste d'abandons.
Lucas Edson, Clément Broyard, Aurélien Joyeusement, Lucas Signor, Todd Mackin, Rubens, Oro, Benjamin Dux, Daphne Tiger, Gregorio Regor, Nicolas Vistag, Doris Savanel, Jeanne Couture, Benoît Renard, Carl Vettel, Mehdi Ramouk, Aurélien Fox, Alexandre Debrun et Cyril le Belge. À domicile, du coup, qui est premier avant bon, c'est un peu la même chose. Eh bien voilà, j'espère que ce Grand Prix de Belgique à Spa vous aura plu, et donc on se retrouve pour le Grand Prix de Monza dans le Temple de la Vitesse. Allez, ciao, bye bye les amis, tchuss.